Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Partagez le live. Je ne vois pas les partages. Je sais qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir ma Fongong, fille Véronique Mas, bonsoir ma chérie. Bonsoir, bonsoir. Bipez-moi le nez le plus gros du Cameroun. Bipez-moi le plus gros nez que le Cameroun n'ait jamais connu. Bipez-moi ce nez-là ici là. C'est quoi Sido? D'accord. Non. Oh, parce que tu as crié, j'ai eu peur. Bipez-moi le plus gros nez que le Cameroun n'ait jamais connu. Le nez qui est posé sur quelqu'un comme les lampadaires. Bipez-moi ce nez-là. Venez, on va faire les remember. Venez. Aujourd'hui, là, on ne clash pas. On fait les spéciales remember. Les madames propres de Facebook, là. Les bébés de Facebook, là. Nous sommes les vieilles femmes. Nous, on a accepté. Nous, là. Moi, j'ai 65 ans. On a accepté un pian et ça ne chauffe pas. Les petites, petites filles là, venez, avec vos nez qui sont posés sur vos visages comme les lampadaires. Venez. On va faire les remember. On va faire les remember. Venez. On va faire les remember, venez. Hein? Venez, on va faire les remember. Partagez. 200 personnes, on commence. Je ne discute pas. À 200 personnes, maximum de cœur. Partagez. Bipez-moi le plus gros nez que le Cameroun n'ait jamais connu. Parce que quand vous respectez, vous ne pouvez pas respecter votre corps. Voilà. Bipez, bipez. Bipez la vieille peau là qui est enceinte, le cœur bat plus qu'une femme qui n'est pas enceinte là. Parce qu'elle ne sait pas si l'enfant va sortir blanc ou il va sortir noir. Bipez! Bipez-moi cette vieille peau là. Oui. Elle est enceinte, elle ne sait pas si l'enfant va sortir noir ou blanc. Son cœur bat tous les jours. Son cœur va arrêter de battre le jour qu'elle va accoucher, elle va voir l'enfant blanc. Bipez-moi cette vieille peau là. Qui part dans les lives pour dire que elle pas m'insulter ou une vieille femme et une vieille femme hein, une vieille femme comme elle. Maman, est-ce qu'elle refuse que sujet? Toi la petite fille, viens. Tu es madame propre, viens, on va te dire tes remember. Je suis là pour te dire tes remember aujourd'hui. À 200 personnes, on va commencer. Ça ne chauffe pas. Est-ce que ça chauffe? Hein? Ça ne chauffe pas. Est-ce que nous on réfléchit beaucoup? On ne réfléchit pas, hein? On ne réfléchit même pas un peu. Non, 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 non. On ne réfléchit pas. Partagez, partagez à 200 personnes, on commence. Aïe. 200 personnes, on commence. 200 personnes, on commence le live. 200 personnes, on commence le live. Voilà. On est déjà à 150 personnes, partagez. Moi-même, je partage. Non, 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 non. Moi-même, je vais partager. On va partager. Il y a trois partages seulement quand même. Trois partages.
On ne peut pas s'en sortir comme ça. Et mieux, on arrête le live. C'est pas la peine. Comment on va avoir près de 100, plus de 100, près de 150 personnes connectées et 3 partages, ça c'est une moquerie, et 4 personnes qui ont liké. Non, mais on laisse le live. Et puis, il y a personne sur Facebook qui a été fait le live. Hein? Donc, vous êtes bordés dans vos maisons là-bas en Beng. Avec le froid de Beng, l'hiver, là, vous êtes enfermés dans les maisons. Donc, dites-moi merci de lancer le live au moins pour vous keep company. Moi, je suis au Cameroun et nous, on n'a pas de problème de solitude au Cameroun. Donc, où vous walkez, où on arrête le live. C'est tout. C'est vous qui cherchez les gens qui vont lancer les lives pour bavarder. Oui. Où vous partagez. Où on coupe le live. Vous partez rester dans vos maisons, dans la solitude. Où vous partagez. Partagez dans les groupes. Où on coupe le live. Vous partez rester dans vos maisons. Ou même vous voyez, il n'y a personne. Hein. Actuellement, il n'y a personne en ligne. Personne. Donc, si il coupe là, vous allez rentrer pleurer chez vous. Hein. Hein? Bipé, oh, bipé, bipé, bipé. Bipé, bipé, bipé. Bipé le monde. Bipé le monde. Bipé le monde. Je veux les abeilles à la barre. Venez me dire les remembers de cette vieille peau-là. Hein? Cette vieille peau-là qui va se passer pour une sainte, alors qu'elle n'est jamais sainte. Hein? Patricia Mimbang. Tu pars dans un live, tu m'insultes. Je t'ai insulté hier. Patricia Mimbang. Moi, je t'ai insulté hier. J'ai dit que moi, je suis allée à Messan. Voilà. J'ai dit que quoi hier? Que je suis allée à Messan. Je défends Messan jusqu'à. Je n'étais pas empêchée de défendre Britannière. Je n'étais pas empêchée de défendre Britannière. Je ne vous ai pas sommé que si vous ne défendez pas Britannière, elle va vous clasher. J'ai dit non. J'ai dit que chacun va prendre position. Moi, je suis avec Messan. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes avec Gutanere, ça veut dire qu'on sera les adversaires, on va se framponner. Je ne vous ai jamais demandé ou venu dire que tant que vous ne soutenez pas mes sangs, je vais vous clasher. Vous me prenez pour qui? Pour venir tenir ce genre de propos. J'ai dit que je soutiens mes sangs. Donc, vous qui soutenez le camp d'en face là, on va seulement, je suis avocate, on va seulement se faire ça. Et j'ai bien précisé avec les arguments. Pardon, ne m'appelez pas sur le WhatsApp si. Je suis en live. Ne m'appelez pas sur ce WhatsApp. Pardon. Ouais, il faut que j'enlève même le WhatsApp là sur le téléphone si. Chaque fois que je suis en live, les gens appellent sur ça. Je suis obligé d'enlever ça. Hein? Il paraît que Afam, tu as dit que quoi? Tu as chassé mon général de ton live hier. Tu as dit hier que mon général est banni de ton live hier, Afam. Tu bannis mon général, ça veut dire que tu m'as banni de ta page. Est-ce que le volume est bon? Afam, tu bannis mon général de ta page. Ça veut dire que toi-même, tu me bannis de ta page. C'est ça, non? Ça veut dire que quoi? Quand tu vas être connecté avec tes 10 personnes connectées, que tu parles à supplier, que ouais, Mathé, viens intervenir dans le live. Comme tu as vu quelques gens dans ta page hier, tu as chassé tes gens de tous les jours. Qui est mon général? Elle ne viendra plus dans ta page. Il faut que ces gens-là viennent dans ta page tous les jours parler là-bas. Parce que moi, mon général, là, elle ne va plus venir dans ta page. Comme tu as vu les gens hier venir dans ta page faire le one-man show pour une nuit. Tu as banni ceux qui viennent animer ta page tous les jours. Tu ne la verras plus dans ta page. Comme tu l'as banni. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Mon général se défend. Elle se défend quand elle a attaqué. Ok? Elle se défend. Et on m'insulte quelque part, elle riposte. Parce que je vois les gens dire que oh, elle a clashé Patricia. Patricia m'a clashé aussi. Hein? Elle a le droit de me défendre, c'est mon général. Elle part quelque part là où on est en train de me clasher. Elle fait comment? Elle défend sa patronne que je suis. Ok? Elle me défend avec la dernière énergie. Si vous ne voulez plus que mon général me défende, arrêtez de parler de moi. Vous parlez de moi, elle entre. Elle va vous framponner comme il faut.
Elle va vous flamponner. Elle va me défendre. Vous croyez que quoi? Que vous allez partir m'attaquer là-bas, elle va laisser. Mate ne peut pas laisser. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Donc, tous ceux qui m'attaquent sur Facebook là, sachez que si elle est de passage, elle entend que vous entrez, et surtout si vous avez les vrais profils, elle ne va pas vous laisser. Même les faux profils, elle ne laisse pas. Patricia Gemel, toi, cette petite agitée, parce que moi, je te trouve très agitée, hein. Tu es très agité, tu aimes m'entendre que tu es, alors que quand je regarde, en fait, moi, je vois pas qui tu es, hein. Parce que si tu étais une vraie femme, comment on dit qu'une vraie femme, tu ne devais pas voler la société de Flore. Tu veux qu'on te rappelle ça? Tu veux qu'on te donne le schéma, comment tu as fait pour voler la société de Flore? Tu as volé la société de Flore. FDL, tu as volé, ce n'était jamais la tienne. Mais quand le dossier arrivait sur Facebook, parce qu'on était dans le aide-moi à détester, on t'a soutenu dans ça. Tu as volé la société de Flore. Est-ce que le volume est bon? Tu es une voleuse. Tu as détruit la société de Flore. Ce n'est pas plus pire. Ce que Messan a fait n'est pas plus pire que ce que tu as fait à Flore. Flore était ton ami. Gros nez. Flore était ton ami. Le nez le plus gros que le Cameroun n'ait jamais connu. Flore était ton ami. Tu as fait quoi, Flore? Tu as volé sa société en tout. Tu as doublé ton ami. Tu n'es pas fréquentable. Tu es dangereuse. Les amis comme toi, on doit ouvrir un magasin, on vous met dedans, on ferme. Écoute bien ce que je te dis. Les amis comme toi, là, on ouvre un magasin, on vous met dedans. Tu n'es pas fréquentable. Tu as volé. Big up à toi, la veuve. Tu as volé la société de Flore. Voleuse. Voleuse. Pip, pip, pip. Voleuse. Voilà les milliardaires qui volent les noms. Maman, les gens volent les comptes bancaires avec les milliards dedans. Une milliardaire pas volé. Une milliardaire pas volé le nom de la société. Adama. Adama. Les gens volent quoi? Les gens volent les milliards dans les sociétés. Une autre milliardaire pas volé le mot FDL. Qu'on écrit, où est le big? Je vais écrire FDL. Où est le big là? Ouais, Seigneur, comment il vient faire le live sans avoir tous mes armes, non? Dis donc. Voilà. Voilà, hein. Attendez. On va écrire FDL là. On va écrire FDL aujourd'hui. On va écrire ça en grosse caractère. La voleuse de FDL. Moi-même, je t'avais soutenu, et malgré que je savais que tu étais une voleuse. Tu as volé la société de Nkenkam. Tu as volé. Voleuse, gros nez, voleuse. Tu dis que quoi? Que je suis une vieille femme. Moi, je suis une vieille femme. Je n'ai jamais volé la société de quelqu'un. Tu as volé la société de Nkenkam. Rends la société de Nkenkam. Voleuse, Voler. Tu as volé. Nous tous, on connaissait ça avec les lolos. Tout le monde. Mais on a fermé la bouche parce qu'on était le aide-moi à détester. Maman, je veux vivre longtemps. Mieux, viens dire la vérité. Mieux, je viens dire la vérité. Tu as volé la société de Nkenkam. Mieux, je dis la vérité, maman. Mon ventre n'est pas le magasin. Je ne veux pas garder dans mon ventre. Ce n'est pas le magasin. Mon ventre n'est pas le magasin. Voleuse. Voleuse. Patricia Grone. Tu as volé la société de Flore de Lis. FDL. On va écrire. F. Ouais. Je n'ai même pas un bon biquet, mes gens. Ouais. Je vais écrire avec quoi? Attendez. Même s'il faut finir mon rouge à lèvres. Je ne peux pas laisser le gros nez voleuse ici. Qui dit que quoi? On a pitié de toi que tu es enceinte. Tu n'as pas pitié de ton corps, non? Comme tu as dit que ce n'est pas la maladie. Bring back société for Marfo. Bring back société for Marfo, Flore de Lis.
Voilà. Voleuse de société FDL. C'est le plus gros nez que le Cameroun n'ait jamais connu. Là, voilà. Elle a volé la société de Flore. Voilà. FDL. On a toujours caché la vérité de la personne qui avait volé. C'était Gros Nez qui avait volé ça. Elle est partie au tribunal avec Gros Nez parce qu'on était aide moi détesté. On a supporté la salope alors que c'était elle, la voleuse nationale. Voilà. Voilà. Ouh, voleur. 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 Voleuse de société. Rembourse la société. Laisse pas me sang. Avant d'aller ouvrir tes narines comme ça là. On a une narine hein, pour montrer à pas me sang. Rembourse d'abord la société. Libère la société de Flore. Libère sa société. Tout Facebook sait que la marque FDL c'est pour Kinkam. Tout Facebook connaît que la marque FDL c'est pour Kinkam. Tu as volé, tu as usurpé. Donc, toi, on est allé entrer dans le compte bancaire d'un quelqu'un pour voler. Toi, tu voles que le FDL. La marque FDL. Tu voles que ça, maman. On doit te fouetter avec l'arbre de paix. C'est les gens comme vous là que vous laissez les banques pour aller voler les cuillères dans les maisons des gens. Et on vient te trouver, on te tabasse pour une cuillère que tu as volée. Tu es parti voler la société de Flore. Les abeilles, ne cherchez plus votre voleuse loin. La voleuse, c'est Gros Nez. C'est elle la voleuse de votre société. Ce n'est pas deux personnes. La voleuse de votre société, c'est le Ndjimné. Ndjimné là. Celle-là que le nez remplit le visage, c'est elle. C'est elle. Voilà. Mon général t'a raté hier. Elle t'a raté. Fallait qu'elle te fasse ça sans vaseline. Elle t'a raté hier. Elle m'a donné le compte rendu. Mais t'as raté. Elle devait te faire ça. Te voilà. Voleuse nationale. Tu viens dire que quoi? Tu viens dire que quoi? Que tu aimes trop qui? Que tu aimes trop qui? Gros Nez, tu dis que quoi? Tu n'as pas framponné le président Mauricio, nous tous on a vu. La plus grosse tourbillonneuse que Facebook n'ait jamais connue. Tu dis que quoi? Je vous gère sur Facebook, surtout toi avec tes narines là, je te gère. Toi et moi, on va se croiser où? On va se croiser où? Hein? Toi et moi, on va se croiser où? On ne va se croiser nulle part. Ok? Je ne traîne pas les mêmes milieux que toi. Ce n'est que virtuel. Donc toi et moi, on peut se gnafou sur Facebook. On ne va jamais se croiser quelque part. On va se croiser pour dire quoi? Je ne parle pas avec les gens qui ont 10%. Qui viennent dire qu'ils sont milliardaires. On voit le poulailler avec 10% dedans. J'avais vu ton poulailler ici là. Que tu étais venu montrer ici là. J'ai compté, ce n'était pas 10% dedans. Tu es milliardaire. Tu ne connais pas les poulaillers des milliardaires. Le poulailler d'Amer Kame était 100 fois mieux que ton poulailler. 100 fois mieux. Amer Kame avait quand même conçu un grand hangar. Il a quand même mis les millions pour construire le hangar. Mais toi, tu es parti prendre la cuisine villageoise de ta mère pour élever les quelques poulets dedans. Tu viens dire que quoi? Tu viens dire quoi? Gros Nez, tu dis quoi? Que tu peux me clasher? Tu parles mon nom, j'étais insulté hier. Quand vous restez, ça vous gratte. J'étais insulté. Hier, j'ai dit que je soutiens pas me sang. Tous ceux qui ont suivi mon live, je l'ai insulté hier. Tu peux m'insulter. Tu peux m'insulter, tu peux me clasher. Toi, avec tes narines là, je vais mettre mes doigts comme ça là. Je vais tirer tes narines là comme ça là. Tu vas te retrouver là où tu ne connais pas. Je dis que je vais mettre mes doigts dans le lampadaire que tu as sur le visage que tu appelles narine là. Je vais te tirer avec ça. Tu prononces mon nom. Quand tu entends mal au fond qu'on m'a donné là, tu n'as pas peur. Hein? Même celle qui a prononcé mon nom. Même celle qui a prononcé mon nom. Même celle qui m'a donné le nom là me peut. J'ai parlé de Mandorfao qui m'a donné le nom là. Moi, elle lui a donné Mandorfao, pâte de canard. Est-ce qu'elle me peut? Elle ne me peut pas. Vous deux mélangés, vous ne me pouvez pas.
Je vais prendre sa tête là qui est comme le parfum de vin là. Je vais doser ça sur ton nez. Oh! Tu ne me connais pas. Ne prononce plus mon nom dans ta salle. Tu es une voleuse. Avant d'exiger à Pam sang, va d'abord remettre la société de FDL. Tu as fait plus pire. Tu connais ce que c'est que quelqu'un construit son patrimoine? Quelqu'un construit ses affaires. Tu viens voler en un jour. Tu arraches. Tu peux au tribunal avec tout. Avec quand tu regardes le problème du tribunal les yeux. Tu manques, c'est pour toi. Tu manques. FDL, c'est pour toi depuis quand? Nchong. Yé, Nchong, yé, Nchong. Nchong. Depuis quand FDL, c'est pour toi? Depuis la création du monde, tout Facebook connaît que FDL, c'est fleur de lune. Tu peux regarder le problème du tribunal dans les yeux. Tu dis que FDL, c'est pour toi. Ya, Nchong. Nchon, remets la société de Nkenkam avant d'ouvrir tes narines pour parler à Parmesan. Tu remets d'abord la société de Nkenkam, c'est de ça qu'il s'agit. Tu remets ou tu ne remets pas. Tu remets ou tu ne remets pas. Bring back société Fomafo. Bring back société de Fleur de Lille. C'était sa société. Tu as volé. On t'a soutenu, mais maintenant, hein, ma conscience me juge. J'ai décidé de dire la vérité, que c'était toi la voleuse. Remets la société là. Je ne peux pas mourir avec ça dans mon van. Je ne peux pas mourir avec ça dans mon van. Tu as compris, gros nez. Tu as volé la société de Flo. Oh, remets, oh, remets, oh. Oh, les voleuses de Facebook, oh, remets, oh. Remets la société de Flo, oh, remets, oh. Remets avec Borosang qui t'encourage. Tu as compris? Elle s'est agitée et elle a dit que quoi? Qu'elle met sa caméra. On part sur le clash. Je suis prêt. Je suis prêt. On part. Je suis prêt jusqu'à. Je suis au Cameroun. J'ai quoi faire? Je n'ai pas les poèmes d'hiver au Cameroun. Est-ce qu'il y a l'hiver? Ouais. Attends, attendez. Les narines comme ça là, je suis prêt. Je suis en train de faire le live. Je fais le live sur le téléphone que tu m'appelles là. Quand je renvoie, il y a une, deux, trois fois. Il faut savoir que c'est. Aïe. C'est comment? Oh. Maintenant, je t'appelle ici, prends alors. Ou tu vas m'empêcher de les framponner. Moi, je ne peux pas comprendre. Elle a fait le live là où elle m'a clashé là-bas. Que même les vieilles femmes au poil blanc, machin. Donc, je fais un droit de réponse, ok? Je fais un droit de réponse. Voilà. Donc, tu me laisses faire mon live. Vos affinités ne me concernent en rien. Je n'ai aucune affinité avec elle. Je n'ai aucune affinité avec Gros Nez. Je n'ai aucune affinité avec Borosangui. Donc, elle met leur caméra, elle parle de moi. J'entre dans leur côte. C'est tout. Je n'ai aucune affinité avec cette bande-là. Je n'ai aucune affinité. Où sa rage qu'elle a, c'est parce qu'elle voit souvent la PDG dans mes lives. Oh. Et c'est la rage, c'est la haine là qu'elle a contre moi. C'est comment, non? Alors, voilà, Nadège. Pourquoi tu veux couper mon live? Nadège, pardon. Tes relations ne sont pas mes relations. Pardon seulement. Soho. Voilà. Soho, ni. Donc, si c'est le fait que la PDG canadienne vient dans mes lives, que tu veux me manger, elle va venir que dans mes lives.
Tes problèmes ne m'engagent pas. Tes problèmes ne sont pas mes problèmes. Je ne sais pas ce que tu me dois. Ok? Tu as d'abord fait là où tu as insulté Lolo pour rien. Tu es quitté sur Lolo, tu es tombé avec les Lolomanias. Ça n'a pas suffi. Tu as fait un live hier là où tu m'insultais. Tu cherches le clash avec les Baranté. Tu dis que tu as une place. Mais on t'a laissé une place. Reste dans tes une place. Non, où est le problème? Pourquoi tu dis que tu as une place? On te laisse maintenant à une place. Ça t'énerve encore jusqu'à tu veux être partout, partout, partout. Non. Quand tu dis que tu as une place, tu as une place. C'est toi qui dis que je ne parle pas dans les lives des gens. Mais c'est toi qui coupes tous les lives pour te faire de l'argent. Tu coupes les lives là que par télépathie, maman. Oh, je ne parle pas dans les lives de gens. Je suis la seule qui a bloqué et je ne connais pas débloquer. Je ne parle pas toujours les gros mots à te faire voir dans zéro. Tu ne parles pas dans les lives des gens et qui coupe toutes les vidéos de toutes les pages sans exception pour te faire de l'argent. Tu coupes ça comment? Par télépathie, je veux savoir. Tu ne parles pas dans les lives des gens. Mais le live que j'ai fait hier, tu as déjà coupé, mettre dans ta page. Tu coupes ça comment? Hein? C'est ton esprit qui vole, qui part couper. Non, je ne parle pas dans les lives des gens. Je suis une place. Mais c'est ta page qui est bourrée. Tu m'as déjà vu couper ton live, mettre dans ma page. Tu m'as déjà vu un live que tu as fait, que toi. Mandofo. Tu m'as déjà vu toi. J'ai coupé un de tes lives pour mettre dans ma page. Depuis que la terre était, tu as vu ça. Ne me provoque pas. Laisse-moi sur gros nez. J'ai dit que le clash des Baranté, je ne veux plus. Gros nez m'a clashé. J'ai fait mon live là, je n'ai pas clashé gros nez. Tous ceux qui étaient dans mon live savent que je n'ai pas clashé. J'ai dit que je soutiens Parmesan. J'ai demandé que tous ceux qui veulent qu'on parle en guerre, quand on soit allé à Parmesan, se positionnent et tout le monde s'est positionné. En aucun moment dans mon live, je n'ai insulté cette femme. Mais elle pas, elle met son live, elle m'insulte. Toi, tu mets ton live, tu m'insultes. Toi là, la reine est bio. Toi et moi, ce n'est que Facebook. Nous ne sommes pas amis. Et je ne veux même pas tes amitiés. D'abord, toi-même, tu vois, depuis que sur Facebook, j'étais vite comme la peste. Si tu as remarqué ça sur Facebook, Lolo, même, je peux parler avec Lolo, j'appelle Lolo au téléphone. Mais toi, là, j'étais vite parce que j'ai étudié ton personnage. Toi, ton personnage n'est pas le style que je veux traîner avec, non. Parce que tu as un genre là, tu aimes faire comme si tu pètes plus que ce que tu es. Et je n'ai pas moi le temps des vendeuses de rêves. Je n'ai pas moi le temps de ceux qui veulent faire, qui veulent montrer qu'elles sont plus que ce que nous on voit là. J'ai pas ce temps là. Je n'ai pas le temps là. Des gens qui veulent montrer que je suis, alors que dans la vie, rien n'est rien là. Moi, j'aime les gens humbles parce que moi-même, à la base, je suis très humble. C'est pourquoi tu me vois là. Tu es venu au Cameroun, tu as voulu qu'on se voie, mais tu es jonglé. Je ne t'ai pas vu parce que je ne veux pas. Je ne cours pas moi après les gens. Hein. Je ne veux pas moi pour éviter les problèmes. Parce que si tu avais vu au Cameroun là, ce que peut-être je ne sais pas maintenant, c'est qu'on se connaît déjà sur Facebook. Donc, j'évite moi les gens. Je préfère que ce soit virtuel. J'évite moi. Ce que j'ai vécu avec Ketchala, pour que je rencontre encore quelqu'un dans la vie réelle, ça va être dur. Ok. Tu enlèves. J'avais dit que quoi? Que le problème des Bassas va tourner, ça va devenir pour les Bamlik. On va s'insulter sur Facebook. Je n'avais pas dit ça. Voilà ça qui est en train de se dessiner, non? Voilà ça qui se dessine, non? Le problème de Bassa, c'est devenu notre problème. Voilà ça qui se dessine. Vous me provoquez. J'ai fait mon live hier, gros nez, j'ai pas prononcé ton nom. J'ai mis le titre que tu en fais un peu trop. Tu es un peu trop exigeante. À part mes sangs. Je ne t'ai pas insulté. Mais j'ai dit que tu exiges un peu trop parce que toi-même, tu n'es pas propre. À aucun moment, je t'ai insulté. J'ai dit que toi-même, tu n'es pas propre. Parce que tu as volé la société de Flore. Tu as volé ça. Et tu es la plus grosse tourbillonneuse de Facebook. On t'a vu si tu as insulté le couple Messan. Propre. On t'a vu ici, non? Tu as insulté le couple Messan.
Tu étais avec le on t'a vu si tu as insulté le couple Amot. Tu étais avec les méchants. Après, quand ça a cuit avec les méchants, tu es rentré avec Amot. Tu tourbillonnes entre les deux couples. Vous partez tout vers là où vous allez manger. Vous avez vu que Gluta, maintenant, on dit qu'elle est un peu, elle a un peu d'argent dans sa tête. Vous vous versez là-bas. Je vois la reine mère bio en train de supplier même qu'on envoie les produits pour qu'elle boive. Regardez le niveau de mendicité que ma soeur Baranté peut se rabaisser. Donc, tu peux soutenir parce qu'on va t'envoyer les Gluta, où c'est les Gluta quoi là, pour que tu boives. Ça, c'est quel genre de mendicité? Une Canadienne, aussi mendiante. Seigneur, si c'était même que tu es en Italie, j'allais dire oui. Mais une Canadienne. Mais quand même la lionne a un peu de personnalité que vous, hein. La lionne a un peu de personnalité, hein? Vous savez que la lionne, c'est une personne que j'ai vue dans la vie réelle. C'est une petite qui a quand même un peu de personnalité. Hein? Tu vis au Canada. Tu es aussi mendiante comme ça, là. Tu as raison de vouloir aller t'allier avec Ngossa. Vous êtes les patates de même sion. Regardez que des voleuses. Que des voleuses. Pareil, la plus grosse voleuse que le Cameroun. Et vient la voir quand elle met la caméra pour dire voler. Alors qu'elle est la première voleuse. Qui a volé la société FDL? C'est qui? Qui a volé cette société? Mettez le nom. Mettez le nom de la personne qui a volé la société, là, si vous connaissez la personne qui a volé cette société. C'est qui? La plus grosse voleuse que le Cameroun ait jamais connue. Là, voilà. Tu marches avec une personne. Elle te fait confiance. Tu es derrière. Tu voles. Tu cherches comment tu vas voler sa société. Mais tu es milliardaire. Tu voles. Tu voles la société de quelqu'un aussi facilement. Hein? Tu dis que tu es milliardaire. Mais va créer ta société. Tu dis même société gros nez. Les gens vont valider. Le blanc n'en a rien à foutre. Tu mets ton nez devant et tu prends tes narines, tu poses là comme initiale de ta société. Tu prends tes narines là, tu poses là-bas, tu dis que voilà ma société. Tu dis société gros nez. Est-ce que le blanc a quoi à foutre tout? Tant que tu payes, si tu veux, tu mets même long nez, tu mets large nez, tu mets gros nez, n'en a rien à foutre. Tu laisses ton gros nez, tu ne prends pas ça pour faire ta société. Tu viens voler le nom de quelqu'un, Flore de Lille. Remets sa société en tout. Tous remet sa société. Voilà les conneries comme ça qui sont sur Facebook à vendre le rêve. Elles pètent plus haut, elles veulent péter plus haut que ce qu'elles ne sont. Vous êtes les qui même? Vous êtes les qui? Les vauriennes comme ça là. Les vauriennes. Hein? Toi voilà, tu es enceinte, ton cœur bat. Au lieu de te concentrer sur ta grossesse, parce que tu n'es pas sûr si l'enfant est noir ou si l'enfant est blanc. Tu n'es pas sûr. Concentre-toi d'abord sur ta grossesse. Parce que si tu es à l'hôpital, l'enfant sont noirs, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Donc là où tu es là, ton cœur va arrêter de battre le jour que l'enfant va sortir et tu vas voir que l'enfant est blanc. Pour le moment là, tu n'es pas sûr de toi. Oh, voilà un gros problème que tu as sous la main. Voilà un sérieux problème que tu as sous la main. Tu dois te concentrer sur ça. Hein? Voilà un sérieux problème. Concentre-toi d'abord à savoir si l'enfant est blanc ou s'il est noir. C'est un gros problème. Non, tu prends ta frustration, tu marches avec ça sur Facebook, après c'est pour venir faire que les gens viennent porter la malédiction derrière toi. Tu ne sais pas que quand une femme a ton sang, elle est calme, tu cherches les problèmes, tu insultes les gens par rapport à quoi? Tu insultes les gens pourquoi? Hein? Dis-nous qui est le père, qui est ta mougou, c'est un noir ou c'est un blanc, dis-nous. Parce que là, c'est ça qui te dérange, tu te pavanes sur Facebook comme un mauvais esprit. Parce que tu es stressé, tu n'es pas sûr que c'est le blanc là qui a mis la grossesse. Tu as peur que c'est un noir quelque part. Parce qu'on vous connaît. C'est ça qui fait que tu es en train de vouloir fatiguer les gens sur Facebook. À qui la faute? Quand tu partais écarté au noir là, on était là. Quand tu partais écarté au noir là, on était là. Tu veux nous fatiguer sur Facebook? Assume. Assume ton bébé noir, on va continuer. Assume ton enfant noir. Assume ton enfant noir. Quand tu es parti écarté, la bonne était avec toi. Pourquoi tu veux nous fatiguer sur Facebook? Hein? Quand vous écartez vos zoutos noirs, mari au blanc, là, il faut savoir assumer sans faire de bruit. Hein? Il faut savoir assumer sans faire de bruit. Hein? Hein?
Et puis si tu tombes là maintenant, on va dire que non, c'est parce qu'on t'a craché sur Facebook alors que ton cœur battait depuis 9 mois. Ton cœur bat, tu ne sais pas si l'enfant est blanc ou si l'enfant est noir. Tu ne sais pas. Après, c'est pour que les abeilles viennent dire que le clash des ténébreux va être rude. Ça va être rude, hein? Ça va être rude, hein? Si on doit se lâcher sur Facebook, là. Le clash des ténébreux, ce qui est en train de s'annoncer, là. Ne venez pas, on va se vendre dans les mains des abeilles, hein? Ne faites pas, on va se livrer gratuitement dans les mains des abeilles ici sur Facebook, hein. Parce que les abeilles attendent que ça, hein. Ils sont aux aguets comme ça. Les abeilles sont aux aguets. Ils attendent. Ils attendent qu'on se mange entre nous, là. Ne faites pas, on se lâche entre les mains des abeilles. Pardonnez. Pardonnez. Ne faites pas, les abeilles vont se moquer de nous sur Facebook, hein. Flo va nous charger sur Facebook avec ses abeilles ici, hein. Ne faites pas ça, hein. Ne faites pas, Flo va nous charger avec ses abeilles sur Facebook. Parce que si on commence à se manger là, la paix que Flo a dit là, ça va d'abord devenir les moqueries. Hein. Elle va nous charger avec ses abeilles. Ça va devenir le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Hein. Donc, pardonnez. Moi, j'ai honte. Si vous n'avez pas honte, moi, j'ai honte. Le chemin que vous voulez prendre là. Voilà. La reine mère bio, respecte ton couloir. Respecte ton couloir. Tu as mis ta caméra l'autre jour, tu as insulté Lolo. C'est passé inaperçu. Hier, tu as mis ta caméra, tu m'as insulté. J'ai plié mon petit doigt. J'ai plié mon petit doigt. Tu m'as insulté hier pour rien. J'attendais que tu fasses un autre live pour t'excuser. Tu m'as insulté hier pour rien. J'ai plié mon petit doigt. Après, vous êtes venus dire que les barantés. C'est comme ça qu'on m'attaque. Vous êtes témoin qu'on a. C'est elle qui a commencé à me clasher. Vous êtes témoin, non? Vous êtes témoin, vous n'êtes pas témoin. Je veux la paix avec ceux qui veulent la paix. Mais ceux qui ne veulent pas la paix, là, vous m'attaquez. Je sais que votre plan, c'est que vous voulez absolument que j'aille en enfer. Je veux sortir des cas. Vous me tirez toujours dedans. Je fais tout pour sortir. Vous me tirez toujours dedans. Vous partez prononcer mon nom partout, partout. Vous partez me clasher. Hein? Je me bats pour sortir dedans. Vous ne faites que me tirer. C'est quoi? C'est le con. C'est le con que quand on entre, on ne peut plus sortir. Hein? Voilà. Voilà les abeilles qui disent que c'est trop tard. Il est encore temps. Nous, les ténébreux, là, comme on nous appelle là, il faut arrêter. Ne venez pas vous exposer dans les... Ne venez pas vous livrer gratuitement dans les mains des abeilles. C'est que nous sommes morts sur Facebook. C'est que nous sommes morts en guerre. C'est que nous sommes comment? C'est que nous sommes comment? Ah, c'est que Bolingo va faire notre fête. Hein? Bolingo va faire sa monétisation sur nous. Donc, là où on parle, là. Arrêtez. Nadège, moi, tu m'as même déconcentré, Nadège. C'est Nadège qui m'a déconcentré. Moi, j'étais à lancer dans mon framponnement. Nadège a tout fait pour couper mon live. Elle m'a appelé au moins 50 fois pour couper le live. Pardon seulement. Donc, moi, je veux pas moi les problèmes. Pas moi les problèmes, pardon. Enlevez mon nom dans vos bouches. Enlevez mon nom dans vos bouches. Tu sais quoi? Parce que tu es enceinte. Si tu n'étais pas enceinte, toi, Patricia, ce que tu m'as craché, j'allais te faire ça sans vaciller. Léo!
Bonjour, ma mère. Oh. Bonjour, Nini chérie Coco. Ça va, je remercie Nadège, comment elle a déconcentré. Parce que tu sais que tu es en classe, c'est souvent très dangereux. Ah, Il dit que je suis très content. Ça Nadège, bigote elle a derrière. fait 50 Là, elle a bien fait. Elle a bien fait. Elle a bien fait. Ouais, Nadège, tata, là, merci encore. Merci, ma tata. Merci, tu restes dans ta face. C'est plus que. C'est plus que. Nadège, tu as bien fait. Maman, j'ai insulté Patricia. Non, 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 non. Vous avez évité même. Vous avez beaucoup évité. Vous avez beaucoup évité. Je remercie à votre Nadège, papa. Elle pas m'insulter dans un live non, 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 non. Au syndicat là-bas, pas m'insulter. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Nadège a bien fait. Mais... Alors que je l'ai. Non, Maman, laisse. Maintenant qu'elle est venue répondre, Nadège m'empêche de répondre. Non, on a déjà bien fait. On veut la paix, mais Madoka. Mais dites aussi aux gens là de ne plus provoquer, non? Dites aussi aux gens là de ne plus me provoquer. Oui, on mais on va les dire. Dieu a fait la même insulte. Tu as dit quoi, la reine Mébio? La reine Mébio, elle m'a bloqué depuis des années. Donc, je peux pas dire son live. Maintenant, ma mère. Venez répondre. Vous allez dire que oh, c'est monté, c'est descendu, c'est parti à gauche. Non, Madoka, on va moi, bloquer. On va Ma blocage, tu as raison, mais on ne veut pas, parce que ta mission est forte. Tu as que Satan 2, hein? On ne veut pas. Tu as que Satan 2, on ne veut pas. Nadège, big up, merci encore Nadège, merci Tana. Nadège me déçoit jusqu'à. Elle est venue me déconcentrer, elle est dans le live. Je l'appelle ici, elle refuse de prendre. Nadège, elle refuse de prendre expressement. Elle veut seulement couper le live. Elle ne veut plus que je parle de sa peau. La Rose. Oui, mon collègue, c'est comment? Ça va. Calme-toi, pardon. Calme-toi. Attends, comme tu sais quoi ton problème? Une belle femme comme toi, tu dis que tu es nerveuse. Quand je te regarde, tu le sens même que tu es nerveuse. Là, on va dire. Tu veux qu'elle dise que quoi? Ah, pardon. Ceux qui t'appellent comme ça, c'est même les ténébreux. Quand tu regardes Ngossa, vous ressemblez. De vous deux qui êtes ténébreuses, de vous deux. Maman dit que c'est Ngossa, la lumière, moi les ténèbres. Tu veux qu'elle dise que quoi? Ngossa, c'est elle la ténébreuse avec les cornes même. Parce que tout ce qu'on a dit de vie là, c'est à cause d'elle que ça se vit. Donc c'est elle la ténébreuse. Tu n'es jamais ténébreuse. Et c'est que les gens attendent. Tu étais dans le live ici hier. Est-ce qu'on a insulté non, Patricia? Non, non, on n'a pas insulté. On n'a pas insulté. On n'a pas insulté. Et moi, j'ai expliqué. Le live est comment m'insulter, maman? J'ai expliqué. Ils sont libres de. D'être l'avocat de Daniel Mbomindam et non les livres de soutenir M. Messa. C'est tout. Est-ce qu'on a dit ça? J'ai dit ça que la personne qui ne soutient pas, on va insulter. J'ai dit ça. J'ai dit non, non, non. Vous avez dit que tu as dit aussi dit. On a dit vous d'insulter M. Messa, que Daniel sera insulté. On a dit que. Voilà. Il faut bien répéter ce que les gens ont dit. Que si M. Messa est insulté, que Daniel va être insulté. Maintenant, si vous voulez insulter vos gens, à cause des Britanniens, c'est vous qui êtes dans le tort. Donc, elle n'a insulté personne bien. Elle n'a insulté personne bien. Elle a dit que si M. Sanga insulté, Britanniens sera insulté. Vous l'insultez maintenant, pourquoi? Comment vous pensez que. Je suis en 2024, je suis allié à M. Sanga. Voilà ce que j'ai voilà. dit. Et j'ai demandé que tout ce que vous voulez, vous n'avez pas attendu le plus de M. Vous-même, vous faites comme si vous ne connaissez pas. Ou bien c'est ce que vous-même vous cherchez. Attendez. Développez dans vos activités. C'est tout ça, c'est tout ça. La monétisation, il faut arrêter à un moment donné. Donc, si Nadège ne l'arrêtait pas là, si Nadège n'arrêtait pas, donc, quand elle était partie, hein, et ce n'est pas l'inspiration qui lui manque. Vous-même, vous savez, elle aligne ça comme ça, moi-même, j'ai peur de Dorcas. Donc, vous voyez, vos yeux la connaissent pas bagage chez vous. Dorcas, le tsunami, donc, franchement, bravo à Tatana, Tatana, c'est vraiment une forme de paix. Comme des pères, ma peau, pardon, laisse comme ça, laisse. Nadège, Erika, elle a tout fait, maman. Nadège aime les problèmes. Ma peau, laisse ne provoquez plus d'organes, pardon, c'est le tsunami. On a dit que zéro clash en 2024. Zéro clash. Vous allez être créatif, vous allez créer vous-même vos trucs pour faire des coupures de vidéo. Parce que vous voulez les clashs, parce que vous cherchez toujours ce que vous allez couper. Vous posez sur vos pages. Faites-moi parce que c'est une réalité. Voilà, Bruce Lidia, qui a commencé sa télé-réalité là-bas avec son mari et ses enfants. Que chacun fasse son truc. C'est quoi?
C'est un plage en 2024. Soyez créatifs. Créez vous-même votre truc. Vous pouvez vous mettre dans vos pages. Tout ça, vous apprendre la manifestation des étoiles. Les gens vont être insultés. Les familles des gens vont être exposées à cause de quoi de la manifestation. C'est bon, là. À un moment donné, on va savoir ces choses. Merci beaucoup, Marco. Va préparer. Vous avez vu, non? Que les alliés de Patricia m'ont coupé, non? Vous avez vu les alliés de Patricia m'ont coupé, non? Vous êtes conscient? Oui, vraiment, oh, maman ne peut pas se livrer dans les mains des abeilles, c'est la cata. Ouais, on ne peut pas se livrer dans les mains des abeilles, c'est qu'on est mouangé. C'est qu'on est fini. Ah! Si les abeilles nous... Maman, ça serait comme le football de Cameroun.